Boker Tov, Boker Or, on débute ce matin par Ezrat Hashem, les halachot relatives à la Kriyat HaTorah. Vous savez que nous avons un devoir de lire la Torah non seulement le lundi et le jeudi, le Shabbat matin, mais également le Shabbat après-midi. Moshe Rabbeinu tiken lahem l'Israël, shiukurim batorah b'Shabbat, ushim hamishi b'shacharim. Moshe Rabbeinu a donc institué le devoir de ces différentes lectures pour ne pas que le Ham Israël que nous sommes reste trois jours sans lecture. Et Ezra s'opère à plus tard lui instituer le devoir de faire monter trois personnes minimum. On les répartit donc Cohen, Lévi, Israël, le Cohen en premier, le Lévi en second et le Israël en troisième position. Lorsque l'on sort le Sefer Torah, le public séfarade a l'habitude de dire le Berir Shemé de Margalma uniquement le jour de Shabbat. Les Ashkenazim, quant à eux, le disent le Shabbat, mais également le lundi et le jeudi. Ce n'est pas interdit de le suivre si jamais on se trouve dans un minyan ashkenaz. Lorsque l'on sort le Sefer Torah du Echal, il est bon de veiller à emprunter le chemin qui n'est pas le plus long. On prendra donc le chemin de sa droite, c'est-à-dire à la gauche du Aron HaKodesh, on le fait passer par là, et puis on le fait monter immédiatement sur la Bima. Lorsque l'on fait retourner le Sefer, en revanche, on choisira un chemin qui ne soit pas non seulement trop long non plus, puisqu'on doit le ramener à sa place. Voilà pourquoi certains ont l'habitude de ne pas contourner la Teva comme on le fait, mais de le sortir immédiatement par le chemin le plus court pour le ramener. Tout cela est une histoire de Kavod qui est important à donner au Sefer Torah. Kol Echad Keminago Noeg, si jamais le Kahal a pris l'habitude d'accompagner le Sefer Torah, il accompagne jusqu'au Echal dans la mesure du possible. Beruchim Ki.